temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ?» Jésus lui dit, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes parce que je pars vers le Père. » Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui des adultes dans cette foi catholique. Alors on va commencer par proclamer la foi de l'Église avec l'Assemblée, et une fois que nous l'aurons proclamée, eh bien ce sera à vous de la dire à voix forte devant tout le monde. Avec l'Assemblée, proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. C'est maintenant à votre tour de professer la foi de l'Église. À voix forte, nous vous écoutons. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, et descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, et monté aux cieux,
résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Pour signifier eh bien, que vous voulez suivre Jésus et que vous êtes maintenant des adultes dans la foi, nous allons vous remettre des croix que je vais bénir tout de suite. Avec le Christ, je suis fixé à la croix. Je vis, mais ce n'est plus moi, c'est le Christ qui vit en moi. Tu as voulu, Seigneur, que tous les hommes soient sauvés par la croix de ton Fils. Nous t'en prions, bénis ces croix et ceux qui les porteront. Qu'ils se souviennent de prendre leur croix chaque jour à la suite du Christ, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, nos prières pour nous-mêmes, pour notre paroisse et pour le monde entier. Oh,
Soutiens-les chaque jour dans leur mission et guide-les sur les chemins de la sainteté. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te confions notre pays. Veille sur notre nouveau président. Que ses choix portent ses fruits et que la France soit protégée de tous les malheurs qui pourraient la toucher. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui ne te connaissent pas, afin qu'ils puissent ressentir la joie que nous éprouvons et le bonheur que tu nous apportes. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te confions les jeunes qui font aujourd'hui leur profession de foi et leur première communion. Qu'ils aient la force de préserver, de persévérer et de grandir dans leur foi. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te rendons grâce de nous écouter, d'écouter chacune de nos prières et de nous conduire vers toi par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi.
sur nous tous, enfin, sur Oksana, Johan, Lou, Julien, Mia, Théo, Sarah Kelly, Marine, Sidonie, Océane, Kian, Agnès, Timon, Candice, Mathéo, Kesslyn, Raphaël, Emma, Margot, Maël, Ophélie et Yanis qui viennent de professer solennellement la foi de l'Église. Sur Charlotte et Arnaud, dont les fiançailles seront bénies à l'issue de cette messe. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles.
Pentecôte pour ce grand jour. Parce que c'est un jour saint, c'est un dimanche 14 mai. Mon fils, il a fait sa première communion et en même temps, il a professé sa foi. Donc, je suis dans la joie. C'est une grande joie pour nous et pour toute la famille. Mais j'avais un mot à dire pour tous les parents. Vraiment, aujourd'hui, c'est un jour mémorial, un jour très important. Même si il n'y a plus de feeling, il n'y a plus de contact, mais assister à une messe pareille, c'est une grâce pour les parents. Excusez-moi de le dire, parce que je trouve qu'il y a des papas qui sont irresponsables dans ce monde-là. Irresponsables. Même si tu t'en occupes pas, mais assister au moins à la messe, c'est une grande grâce. Tu ne sais pas les grâces viennent d'où, ou bien la bénédiction vient d'où. C'est ça la bénédiction. Ton premier fils est né, mais tu n'as pas pu venir assister. Vraiment, excuse-moi de parler, que les gens me voient, qu'ils suivent. Mais c'était très important. Moi, pour moi, c'est, si je le dis, c'est, ne dis pas que parce que ça me fait quelque chose ou bien ça me touche. Ça me touche, mais c'est pour l'enfant. Et quand il va grandir, et quand il se dira que ça, tu n'es pas mon père, tu vas dire que non, c'est sa mère qui lui a donné des idées néfastes. Mais non, il a l'âge de raisonner, il a un âge de raisonnement, de conscience. Il sait ce qui se passe. Voilà. Donc moi, pour moi, j'ai une grande joie, je suis joyeuse, je suis très contente que vraiment que Kojak soit là pour moi, pour assister, c'est le parrain aussi. C'est... Je suis dans la joie. Et que aussi, bonjour à tout le monde. Ben, je suis content et satisfait en même temps que le neveu ici présent se soit ait pris sa première communion. Je le félicite d'avance parce que ce n'est pas tous les enfants qui se disent « Tiens, je vais donner mon cœur à Dieu » et ainsi de suite. Ben, il n'y a rien d'autre à dire à part le féliciter et suivre cette voie de prophétie, de confessie, ainsi de suite, avec toute la grâce et les bénédictions que notre cher Père éternel nous met à notre disposition. C'est à nous de suivre cette voie. Et je suis très content. Tiens, viens voir. Dis un mot. Tu dis quoi? Un mot pour... Parle. Tu dis merci, tout ça. Merci, je suis content d'avoir confessé ma foi et avoir ma première communion. Bon, il faut comprendre. Ému, hein, il n'est pas habitué à la caméra, hein, tout ça, comprenez-le. Hein. Donc, tu peux parler, tu veux dire il est content, il est satisfait. Voilà. Le parrain parle à sa place. Il est très ému. Voilà. Très timide en plus. C'est un garçon très timide. Voilà. Et ouais, c'est comme ça. Et voilà. Allez, c'est et la petite sœur, un petit mot gentil. Bonjour. Ouais, à tous. Bonjour à toi. Je suis très contente que mon frère a fait sa première communion et qu'il a mangé le pain de Jésus. Ouais, le corps de Christ. Et qu'il soit béni. Merci. Amen. Et un dernier mot, que cette bénédiction qu'on a reçue, que toute personne qui suivra cette vidéo, qui puisse aussi recevoir cette grande bénédiction. Donc je suis très très contente. À nous revoir peut-être prochainement dans la salle pour manifester cette grande joie et fêter sa première communion et sa profession de foi. Allez, merci. Merci. Ciao, bon dimanche à tous. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.